Salut les gens, c'est Francis, bienvenue sur Europa Universalis 4, dans notre série intitulée... Oh la vache, qu'est-ce que tu fous là toi? On est en guerre contre la Bohème, guerre qui était, bon, somme toute relativement simple, on va pas se mentir. Nous allons juste booter des choses ici et là. Très belle coloration, j'aime bien. Par contre, il y a des choses qui me gavent, c'est ça, voilà. C'est que... Il va falloir cliquer sur chacun des états à chaque fois. Ça va être une purge, mais ça va être une purge. Je pourrais centraliser le développement, mais bon, bof. Bon, allez. Allons-y. Je dors. Je ne parlerai pas durant cette musique. Bon, si en fin de compte, je vais parler. Et c'est un peu le son. Voilà. Tac, 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 on est bon. Bon, là, on va faire feu parce qu'on a l'argent et on a les finances. Donc, go. Moins 20. Ah oui, quand même. Ah, tu m'étonnes, on a une sacrée capacité de siège. Ah, bah toi, si tu veux la paix, moi, ça m'arrange. T'es quoi, toi? T'es réformé? Je n'aime nullement ce que je vois. Ah, je peux pas. Piège de la capitale, pas utile. Voilà, pour eux uniquement. Parfait. Suivant. Et va là-bas, toi. Ah oui, tu t'es dit que faire tout le tour de la planète, c'était utile, en fait. Le Portugal toujours dans la danse ou pas? Très intéressant, ça. Allons nous battre en Pologne. Parfait, ça. Bon, là, ça devrait être un simple massacre. Et un stack way. Là, là-bas, toi. Prestement. À Widerzen. Voilà. Autre chose ou je peux la terminer cette guerre? On va reprendre ces territoires là aussi, tant qu'à faire. Ok, bon. Il y en a pas marre l'autre? Bien. Alors là, il y a peut-être une bataille navale à faire, même si elle est petite. Perdons sans du cas, c'est pas grave. C'est quoi qui se bat là? Quoi qui se battait? Écoute, si on peut aller faire un petit blocus chez nos amis portugais, histoire de leur dire, bah... Voilà. Histoire de leur dire des choses. Et un petit blocus, tant qu'à faire.
Le Portugal n'a pas de troupes en plus, je crois. Gagnant d'influence, ou ça. Franchement, on a l'argent, on va le faire. Du coup, notre traité de paix. Alors, le traité de paix qu'on voulait faire, à la base, c'est un truc, ça. Non, ça. Et ça. Ça passe. Pillage de la capitale. Réparation de guerre. L'Autriche n'aimerait pas. Bon. Est-ce vraiment si grave que ça? Je ne pense pas. Piège de la capitale, et tu peux abandonner tes revendications chez moi, si t'en as, en Pologne, en Nitra. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Ah, j'aimerais bien que tu libères des territoires, mais bon, quel territoire libérer? C'est ça la question. Et après la prochaine étape, on se tape contre la Pologne. Non, on n'a pas de CB. Bah, on se tape contre la Prusse. Voilà. On a des CB. Mais la France viendrait. Ouais, ça me paraît judicieux. Ou on attaque Lübeck, hein, directement. À la Grande-Bretagne viendra. Mais la France aussi. On met la Prusse en co-belligérant. Et la Grande-Bretagne. Ah, ça peut-être faire beaucoup, là, non? Oh, même pas. Grosse guerre, mais très intéressante. Et je pense que la Northumbrie va se faire plaisir. Attends. Angleterre, t'as pas... Non, on a que de la conquête. On a que de la conquête. On a que de la conquête. Là, on a rien, je crois. Ouais. Bah, écoute. Je pense que c'est pas mal. On fait ça. Réparation de guerre, un peu de thunes par principe. Voilà. Allez, attendons la fin du mois, si on peut taxer un peu plus. Voilà. On ne pourra pas taxer un peu plus, dommage. Bon, ça, c'est déjà pas mal. Et Lübeck, t'es pas une ville libre. On est bien d'accord, Lübeck. Tu n'es pas une ville libre. Plus une république protestante soit, mais pas une ville libre. Ok, bah ça me va. Donc demandez la paix, hop. Merci beaucoup et au revoir. Voilà, comme ça, on est bon. On a rien bouffé de plus. Donc toi, tu vas aller là-bas. On va lancer l'annexion. 9 par mois, ça coûte cher. On est d'accord, mais c'est pas grave. On pourrait... Alors c'est quoi ça? Ah, c'est... ça on pourra pas le faire hélas. Bon, on annexe le Brandebourg déjà. Donc ça c'est pas mal. 1000 de dev hein, quand même, hein. C'est pas... Pas dire que c'est pas beaucoup. Est-ce qu'on peut faire un focus? Ou alors... Plus intelligent. On annule l'annexion. On attend d'avoir ça. Le moins 25%, ça fait quand même 250 points, puisque ça coûtait 1000, et moins 25% de 1000, c'est 250. Oui, je sais, je suis fort en maths. Du coup, ce qu'on peut faire à la place, c'est... Eh ben, c'est rien. Non, pas utile. On annexe pas, mais... Ou on annexe des petits territoires bidons, mais... Non, ça va être l'Écosse, on s'en fout. Ça va être à l'Écosse, ça. Bah, écoutez, on va se positionner tranquillement. On va rentrer à la maison. Ah, ma flotte. Flotte. Reviens vite, là-bas. Allons aider nos amis. Ouais, si tu veux. Maintenant, on va construire toutes les provinces, tous les trucs intéressants. Ça, ça. Voilà, on est bon là. Parfait. Ensuite.
J'ai cru voir un truc bizarre. Ok. Donc ça, tu vas aller protéger le commerce. Lübeck, pas utile. La Manche, pas utile. Baltique, très utile. Mer du Nord, bof. Novgorod, ok. Non, mais la Baltique est très très bien. Et tu te replies pas en cas de pépin. Parfait. Est-ce qu'on peut construire du commerce? Oui, à Novgorod, exemple, très utile. Voilà, nos troupes arrivent tranquillement. Est-ce qu'on peut augmenter un peu notre limite terrestre? Pas beaucoup. On va pas le faire, du coup. On va faire ça, par contre. Voilà qui est fait. Ok, ça sera pour prendre Lübeck instantanément. Donc, prendre Lübeck instantanément, ça revient à faire ça. Avec le cadre de siège. Avec le réseau d'espionnage. Voilà. Tu m'étonnes, on a pré-marché le travail. Mais bon. Et toi, tu vas là-bas. Passer de tech. Pas utile. Oh, vous savez quoi? Si, utile. Ça nous fera augmenter encore plus notre innovation. Pour payer les techs encore moins cher. Plus de nouveaux canons, c'est toujours pas mal. Voilà. Et des impôts, des impôts du commerce, parce que pourquoi pas. Par contre, ça m'ennuie un peu. Tu vas aller là-bas. Oui, passe si tu veux, passe. Ok. Ça, oui. Oh, hop. Non, toujours pas, Brésil, question. Oui, trop tard. Alors, juste une petite seconde. Me revoilà. Du coup. Oui, position pour attaquer Roger. Lübeck. Hein, histoire de gagner un peu plus de thunes. D'être clair. Et je fais venir la France parce que j'ai la flemme. J'appelle la Prusse et la Grande-Bretagne. Pourquoi Autriche? T'as lié à qui? T'as lié à qui, Autriche? Pourquoi? T'es membre de... T'es l'empereur? Non, t'es l'empereur. Après, l'Autriche, c'est juste... Ouais, c'est quand même 130 000 hommes! Ah, et du coup, je peux pas te faire un CB dans la tronche, quoi. Eh bah, c'est pas grave, ça sera juste la Grande-Bretagne, alors. Et j'appelle... J'appelle la France. Ça m'ennuie un peu, mais bon. Bon, allez, ça sera pour Lübeck. Ou alors, je déclare la guerre à Tfoua. Non. Il faut que Lübeck va nous créer une surexpansion, mais dantesque. Honnêtement, je suis même pas sûr que si on bouffe ça, on pourra prendre beaucoup de choses en Angleterre. On peut faire venir la France. Bon, écoute. Ça rajoute du monde ou pas? Non. Ouais, voilà. Hein. Bon. Faut y aller, hein. Go. Allô. Ai-je been Peter? Parfait. Gain d'argent ou... Ouais, gain d'argent. Allez-y, mes pépettes. Oh. Intéresse. On peut éclater 2-3 petits bateaux au passage.
Bon, la France agit, l'Angleterre également. On va essayer de voir si on peut pas les embêter, on va dire un peu. Ah, quoi ça ? C'est la personne ? Ok. Taratatata. Écoute, ces troupes-là vont débarquer ici. Non, tu veux pas ? Allez là-bas, les gars. On a l'ordre de Livonie, etc. Ça devrait aller. C'est la Prusse quand même. Hein. Waouh! Ah ouais, quand même. On n'est pas allé son siège quand même. Allez, on y va. Bon, je sais que c'est un peu bourrin ce que je vais faire, mais bon. On peut plus que nous. Ils ont eu de la discipline, mais on a meilleur général. Techniquement, ça devrait passer. Bien techniquement. Le Brandebourg qui va se battre contre la Prusse. Allez, tous les jours que tu vois ça. Quel blocus. Toi, tu peux rentrer ici, s'il te plaît. Parfait. Ah, Brême. Salut. Bon, on va peut-être accélérer un peu le temps quand même. Bon, c'est des galères. Donc on va pas trop en perdre. Non, c'est bon. Ça le fait. Ça le fait clairement même. Voilà. Ça devient lourd, etc. Ils ont quoi, eux, là? Débarquement. Moi, je prends. Allez, go. Bon, allez, on accélère un peu le temps. J'aimerais bien que ça débarque rapidement. On a pris Lübeck. Ça, c'est une excellente nouvelle. Du coup, on peut aller vers... Bon, on va rester là, au final. Et là, on va dégommer le reste des Narmvirs prussiens. Voilà, pu. Et maintenant, on peut revenir tranquillement là-bas. Ouais. Voilà. Parfait. Là, je pense que clairement, on peut faire un gros débarquement. Ouais, je sais, c'est violent comme débarquement, mais bon. Alors ça, c'est pas sympa. Mais bon. On est plus fort qu'eux. Il y a eu bol. Voilà. Coucou, c'est nous. Bon, prenons là-bas. Allons dégommer Brême. Baissons un peu le temps, hein, je vous propose. C'est quoi ce truc? Pasternak. Ah, va là-bas, tiens. Ah, on a remporté une mission, tiens. Ça faisait longtemps. C'est quoi? Domination commerciale jusqu'à la fin de la partie. Une province relevant du Nouveau Océan va obtenir le... Ouais, et j'aimerais bien savoir c'est laquelle. Ok. Elle va là-bas. Parfait. Alors. D'autres me diront que je suis cinglé. Mais je trouve ça débile de pas prendre le 4000 de siège.
Je sais. Trésor. Trésor. Voilà. Oh, c'est pas débile, hein. Mais bon. Bref, je me comprends, c'est l'essentiel. Le port ici, il est où? Il est là. Eh ben, on va t'y emmener. Oh, c'est beau, la Floride. Bon, ici, le modèle, c'est ça. Parfait, va là-bas. Et ça, c'est le modèle. Ok, va à Chester. Va là-bas. Va filer un coup de main ici. J'adore l'IA qui se focus systématiquement sur l'ordre de Livonie, quoi. Best tank ever. Parfait. Réception de l'armada. Mis. Reste le glas de l'Angleterre. Il faut qu'on avance vite là-dessus. Et si on peut prendre un mec qui nous fasse... Ah, on peut pas faire de focus, mais on va lever le P, lui. 13 partout, on est pas mal. Ah, évidemment. 4 de siège. Le 6 de siège, quasiment. Allez, go, à là-bas. Ah bah ouais, c'est sûr que c'est mieux, hein. C'est vrai que Königsberg, moi j'aime bien l'idée. C'est qui ça? Ah, c'est à nous. Tiens, Écosse, toi ça, je m'en tape. Northumbrie, bah tu vas récupérer des trucs, hein. Voilà. Allez, prends un 4 de siège et va là-bas. Bon, la flotte, je pense que c'est plus trop une nécessité. On peut la renvoyer ici dans la Baltique. Ah, Berg. Berg. Lübeck, ça va faire cher. Ça va. Franchement, ça va. Et ça? Franchement, ça va pas. Je m'en fous de ces îles. Oh, si, on va les prendre pour que ça soit joli sur la carte. Donc, Berg, bah écoute, je vais pas te. Juste réparation de guerre, détournement du commerce. Voilà. Ah, et puis tu te casses. Voilà, c'est fait. On a les points, donc on va faire feu. On a les points, donc on va faire feu. On a les points, donc on va faire feu. Là. Bon, vas-y, on attaque, hein, c'est les Anglais. Hein. En plastique. Hein. C'est bien le Pays de Galles ou pas? Ah, quand même. Il y a un petit truc au Pays de Galles, hein. Un petit truc à faire au Pays de Galles, ouais. Je vais juste prendre cette province-là.
Indigène ré... Ouais. Mais il fallait que j'aille là. Ça va que tu tombes. Parfait. Alors, tu vas où, toi? On va te rejoindre tout de suite. Ils sont vraiment plastiques, hein. C'est beau. Non, ça par contre, t'es gentil, Ecos, mais ça, c'est à moi, en fait. Vert dégueulasse. Entre le vert ottoman, le vert de la Northumbrie, le vert, notre vert, le vert russe. Bon, le vert russe, c'est plutôt... Le vert de... Oui, le vert russe. Bon. Mon dieu. Francfort. Oh, écoute... Assurons notre domination dans les îles britanniques. Ah oui, 71% quand même. Voilà. Est-ce qu'il y a un intérêt d'aller dans le Nouveau Monde? Non. Est-ce qu'il y a un truc anglais dans le coin? Non. Voilà. Ça, j'ai envie de voir cette bataille. On peut avoir le mur de chêne. Ah, le vaisseau amiral français. Attention. Voilà. Dégommons ça et on pourra tranquillement. Par là, toi. Je sais pas s'il y a le navire amiral. Non, il n'y a pas de navire amiral, je crois, ici. Bon, on va voir. Hein. Oh, bah, plus bateau. Oh non, plus bateau. Ah, plus bateau. C'est bête. Putain. Voilà, Écosse, cadeau. Ça, pourquoi Écosse, t'as des revendications là-dessus, toi? Après, c'est vrai qu'on a les missions écossaises. Mon Northumbrie, c'est nul, mais écossaise. T'as Banque d'Écosse, les îles hybrides, bon, ok. Le Hall d'Alliance, bon, c'est pas pour tout de suite, bien évidemment. Ah non, il a juste fait des revendications bêtes et méchantes, ok. Et l'Ordre de Livonie, c'est quoi? Pas lui aider à faire un petit truc là. Ça, je peux pas t'aider. Unifier les ordres, militarisation. Ça, je peux pas. Et de foi catholique. Ah, ça va être dur. Ah ouais, bah là c'est sûr que. Ah ouais, une revendication perpétuelle sur la Russie, c'est totalement pé. Ouais, non mais oui, non mais je comprends. Oh ouais, d'accord. Abattre la troisième Rome. Ouais. Un pays croisé va survenir, ok. Le fin au schisme, donc Moscou se convertit à la foi catholique, stylé. Commanderie, il faut que... Ouais, pas mal. Tenir les catholiques, ouais, stylé, stylé les missions, je les aime bien. Elles sont une mission juste des défenseurs de la foi, voilà. Ok. Bon. Angleterre. Tiens, reviens là, toi, s'il te plaît. Allez, dépêche-toi. Pas grave. Allez.
Demander la paix. Donc, juste pour l'Angleterre, moi, ce que je veux, c'est bouffer ça. À l'Écosse. Je bouffe ça pour moi. Pourquoi pas. Ça, c'est le Northumbrie. Tu le revendiques? Tu revendiques quoi, Northumbrie? Il est limitrophe. Et demander la paix. Ok. Ah, je peux pas prendre ça parce que c'est... Attends. C'est des grosses provinces, ça? Ouais, c'est quand même une province assez intéressante. Des îles moisies. Northumbrie, cadeau. Plutôt que de demander... Bon, Perse et ça, ces deux trucs-là sont intéressantes. Je concède. Et non, qu'est-ce que je... Retire-moi ces, les îles. Pas grave. Non. Et on peut prendre ça. Voilà. Et... Pff. Les îles à l'angle... Non, même pas. Eh, hey, tu veux pas? De loin ou pas? Ouais, hey, t'es peut-être un peu gourmand sur ce coup-là. Bah, on peut pas percer ça, alors. Écoutez, on fait ça. Comme ça, la Northumbrie, on peut dire qu'elle est à nous. Et tout en sachant que, en termes de puissance dans le nœud de la Manche, on sera beaucoup plus efficient. Ouais, c'est aussi intéressant de... Ouais. Après, l'Othion, on pourrait l'améliorer aussi. Hein. Ouais, mais ça, et York, c'est quand même vachement bien qu'on l'aura. Non, je préfère faire ça et libérer le Pays de Galles, ouais. Et ça, ça c'est... Pff, non, ça va être long et chiant. La thune. Voilà. On donne tout ça à l'ang... Ça, c'est... On redonne rien à la France, on est bien d'accord. Hein. Et pour eux uniquement. Coalition ? Pas grave. Allez, merci beaucoup et au revoir. Voilà. On libérera le Pays de Galles juste après. On va pas le légitimer, par contre, on va le convertir... Parce que, pourquoi pas? Bon. Bon, les Français arrivent. Ça devrait le faire. Des séparatistes, tout ça. Tiens, viens là, toi. Je me tape une... Ah, même pas de bataille navale, déception. Allez, viens par là, toi. Non, mais viens, n'aie pas peur. Oh, tout de suite, les grands mots, chérie. Bouge vite, l'enfoiré, hein. Mais pas assez. Allez, ah, mince, il faut aller là. Ouais, donc ici à l'Othion, il faudra améliorer le truc. Berlin, l'Othion, Château d'Édimbourg, c'est quoi? Garnison totale, attrition des troupes ennemies, pour le pays, c'est politique, ouais. Ah, c'est bien les séparatistes de Novgorod. Ok. Bon, on est à 100%, messieurs. Francfort. Demandez la paix. Alors oui, je suis tenté de faire ça, mais non, ça sert à rien. Donc réparation de guerre, détournement du commerce. Ensuite, reviens le Lübeck, toi. Ah, parfait. Alors, Nuremberg, c'est parfait. Pillage de la capitale, non. Réparation de guerre, détournement, tu te casses. Voilà. Ensuite, Francfort. Francfort. Piège de... Attendez, juste pour voir. Ah ouais, ça chiffre un peu, hein. On va pas se mentir. Donc c'est pour ça qu'on va rien faire. Alors. Prusse. Réparation de guerre. Non, tu me fais un détournement du commerce. Voilà. Bon, uniquement, on est bon. Ensuite. Francfort. Réparation de guerre, détournement, tu te casses.
maintenant il nous restera Brême. Brême, imposer la religion. Et réparation de guerre. Et ta thune. Voilà. Et maintenant il nous reste plus que Lübeck. Et Lübeck, bah, va disparaître. On va attendre la fin du mois. Bah, la fin de l'année, pardon. Voilà. Et on va refaire le traité de paix. Coalition est clairement gérable. Ta thune, parce que t'existeras plus. Et puis merci, au revoir. Hein, voilà. Hein. Et la réponse est oui. On va développer l'export mondial. Et oui, on va développer les infrastructures. Voilà, là on est bien. Pas en plus de mission par hasard. Oh, on a bouffé Hanovre. Non, on a bouffé Lübeck. Pas grave. Gotland, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Ok, parfait. On a des troupes Black Flag. Alors, toi, t'es Black Flag, tu es rentré à la maison. Lübeck, maintenant, t'existes plus. Holstein, je m'en tape. Comme on a beaucoup d'argent, on va construire beaucoup de nouvelles choses. Ah, hop, 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 hop. C'est bon, ici, go. Ah, intéressant. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir... On a de la place hein, dans notre slot, hein, je crois. Oui, largement. Donc, et on va libérer le Pays de Galles. Le Pays de Galles qui est... Pays de Galles qui est là. Ah oui, non, mais non. Non, j'ai pas envie de... On va terminer les conversions avant toute chose. Et toi, on va bousiller ça parce que ça... Voilà, toi. Non, on va te faire foutre, Autry. Au bout d'un moment... Voilà, viens par là et viens par là. Au niveau thune. Pas si bien que ça. On est en retard dans nos techs, je pense. Bon, ça, ça dégage. Ça, ça s'améliore. Ça, ça va protéger le commerce à la Manche. Non, la France qui est majoritaire à la Manche. C'est pas tous les jours que tu vois ça. Trop pis au port. Voilà. Et là, ici, c'est quand que ça se convertit, ce truc ? Dans pas longtemps. Ok. Pourquoi on gagne si peu d'argent d'un coup? On a dû dépasser nos limites navales, non? Même pas. En retard dans notre tech? Oui, en retard dans notre tech. Et comme tout vient du commerce chez nous. C'est pas grave. Bon, tiens, retour. Va ici, toi. Va être dur, là. Notre absolutisme, il est de combien? Bon, on peut faire mieux. Mais c'est surtout avant même l'absolutisme, c'est ça. Tac, tac, tac et tac. Voilà, parfait. Oui, bah par contre, Lübeck, oui, bien sûr qu'on va le légitimer. C'est une erreur de, que, je l'ai pas, que je n'ai pas dû faire. Tu arriveras tout seul, Brandebourg. Hein. Non, tu veux que je vienne? Ok. Ah! Coalition possible contre la... Qu'est-ce que t'as fait, Autriche? Ouais. On peut dire que l'Ottoman... Il y a tout le monde qui va lui tomber dessus, hein. Ok, pas mal. Maintenant, on va calmer le jeu avec tout le monde. Donc, c'est-à-dire, on va payer outrager et nos dépendances. Merci.
On va Lubeck directement, si et j'aimerais juste que ça se convertisse ce truc rapidement. On pourra libérer. Il va parce que tu vas te poser des questions sinon. Ah oui. Tant pis si on a été en retard. Maintenant, ça nous donne la totale légitimité pour bouffer notre ami. Voilà, ça coûte quand même vachement moins cher. Reviens de là, toi. Voilà, bouffons Bangbourg. Ça me va. Ça va me coûter cher, mais si on peut faire un focus en diplo, toujours pas, on pourrait le faire en 36. Bon, pas pour tout de suite. Ordonnance en vulgaire. Trop de points. Autant. Non, toujours pas. Ok, un CB, je m'en tape. Ça, on verra après. Ça, maintenant, du commerce, oui. Voilà. Toi, la flotte ici, on peut rien faire. Je veux juste terminer l'épisode sur la libération du pays de Galles. Et on sera tranquille, 80, 100%. Merci beaucoup et au revoir. Donc là maintenant, si je te libère, en toute logique, cette libération, pays de Galles sera... Alors, c'est peut-être pas mis à jour, attendons la fin du mois. Voilà. Et là, du coup, pays de Galles, anglicane. Bon, peut-être parce que c'est pas légitimé, ça m'étonne. Bon, bah, c'est pas grave, pays de Galles, un vassal. Pas grave, hein. Je vais juste imposer la religion. Hein. C'est que ça le problème. Voilà. Et on va apaiser les dirigeants locaux, voilà. Et on va se marier maintenant. Voilà, c'est bon, c'est bon. Parfait, et on aura de la reconquête du coup. Bon, la Norvège, au bout d'un moment, va falloir se poser la question. Ouais, ouais, oui, la Norvège, t'es allié à qui? Ouais, t'es allié à... Ah, la Russie. Ah, pourquoi? Mais la Russie, ça me fait pas trop peur. On a des... On a pas de trucs, mais ça me fume. En faire des revendications sur sa tronche, lui, il va rien comprendre, quoi. Ok, parfait. Et du coup, protection du... Bah là, je pense que commerce. On va terminer par le commerce. À 67%, c'est peu. Bon, après, c'est peu, mais ça s'explique sur plusieurs aspects. Parce que c'est pas encore légitimé. C'est pas encore un territoire légal. Déjà ça de gagner. Ensuite, protection, protection, protection. Il y a Brême, hein. Il y a quoi qui nous bouffe ici? Ah, on est pas mal. Il y a quoi? Volksgas. Sérieux, Volksgas? Volksgas. Avec tes 25, tu nous bouffes. Ok. Loi 71%, on peut mieux faire. Le reste, ça doit être la Prusse. Vous voyez, Königsberg, niveau X. Quasiment à... La Uxai, on s'en fout, mais là, si on fait transférer ici... Bah, il n'y a que 4 ici. Ah, mais si, ça nous permet d'avoir un marchand. Du mec qui est en à Kiev. Kiev. C'est vrai, il faut dire Kiev maintenant. Bien. Change quelque... Déjà financièrement, est-ce que ça change quelque chose? 161.
Non. Mais on a dû gagner un marchand. Non. Pas grave ça. Non, pas besoin. Est-ce qu'on fait augmenter? Non, c'est pas utile. Et ça? Pas utile. Voilà. Non, bah écoute, toi tu vas transférer alors. Mec qui a Kazan. Ici c'est pas grave. Lubeck c'est notre nœud, ouais, il faudrait vraiment. Bah, qu'on poussera à l'est, on pourra vraiment faire fructifier tout ça. On va voir, hein. Je pense que là ça va être beaucoup plus rentable. Quand même. Ah, on a trop de points. Eh ben, on va développer le pays. Ça faisait tellement longtemps qu'il fallait le faire. Hop, 10, 10, 10. Voilà. Et tu m'en fous un qui a bien vénère. Le Holstein, ça me va. Voilà. On est pas mal. Et moi, ce que je voulais voir maintenant, c'était au niveau commerce, le bien commercial. Est-ce qu'on l'a pas encore? Les vaches, le bétail. Et le bétail, ce sont l'Ottoman qui l'a. Alors qu'on est le premier pays producteur. Notre part de marché est supérieure et le premier producteur, c'est nous. Je sais pas. Je sais pas comment on fait en fait. Bon, honnêtement, le bétail. Une fois qu'on aura. Ça, ça devrait aller. Là, il gagne beaucoup parce que, ouais, voilà, Afrique du Nord, tout ça, tout ça. Mais, non, mais c'est bon. Ah, mince. On y va. Tu veux venir, s'il te plaît? Une petite latence cérébrale, hein, quand même. Voilà. Ça, c'est bon. Et on va construire également les trucs qui vont bien dans les territoires. Et on clôturera l'épisode ici. Je sais, ça fait 10 fois que je dis ça, mais bon. Vous savez quand ça marche, ce jeu. Et prochain avantage? Bon, pas pour tout de suite. Le prochain avantage, je pense que ça sera. On a pris le libre-échange quand même. Ah oui, on aura terminé. Oui, d'accord. D'accord. L'état c'est moi. Ouais, c'est vrai que l'état c'est moi, c'est pas mal, mais. Bon, absolutisme. Ouais. Mais bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à plus les gens.